Aujourd'hui, je vous montre comment faire du curl incliné à l'élastique. Le curl incliné est un exercice qu'on retrouve souvent en salle avec halter sur banc incliné. Si vous n'avez rien de tout ça, voici une solution à l'élastique qui vous permet de reproduire la mécanique du mouvement et de varier du curl classique. Puisque je rappelle que l'intérêt du curl incliné, c'est de cibler un peu plus le chef long du biceps. Donc pour ça, il vous faut un élastique à poignet, comme j'ai ici. Vous faites un nœud donc sur un pied de table, de chaise. Enfin non, pas de chaise parce que ça ne va pas tenir, mais de table, de bureau ou de lit, comme vous voulez, comme j'ai fait là. Vous enroulez. Hop. Comme ça, ça resserre. La poignée qui reste, vous la bloquez quelque part comme vous pouvez. Et après, vous pouvez travailler et tirer. Ça tient. Autrement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est coincer la poignée qui va servir de prise d'appui dans une poignée de porte, donc ce qui fera que le point d'appui sera plus en hauteur. Ça aura pour effet de produire un étirement plus important. Par contre, en fin de mouvement, la résistance sera moins forte du fait que vous aurez un angle défavorable. Une fois que vous avez installé votre élastique, vous attrapez la poignée, vous mettez en position, une jambe devant l'autre pour être bien en appui, donc la jambe gauche en avant si on travaille le bras gauche, le buste droit, et là je vais venir donc le coude en arrière, et là je vais venir tirer et faire mon mouvement de curl. Je souffle à l'effort, j'inspire à l'excentrique. Donc l'intérêt, l'avantage de l'élastique, c'est que on a une résistance plus douce et moins traumatisante qu'avec un halter. Donc ça peut être intéressant notamment pour les personnes qui ont les biceps courts. Après, bon, sur ce type d'élastique avec poignet, on n'a pas forcément toujours une grande résistance. Donc l'idéal, c'est de faire des séries plutôt longues. Donc perso, je fais des séries de 15 répétitions là-dessus. Autrement, vous pouvez également, comme on a vu auparavant, raccourcir la longueur de l'élastique et donc ainsi augmenter la tension. Maintenant, gardez à l'esprit qu'un élastique plus on tire, plus c'est dur, donc il faut aussi pouvoir aller au bout du mouvement. Et enfin, dernier avantage, c'est un travail en unilatéral, donc c'est plus intéressant pour le recrutement moteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.